Journée noire pour notre belle équipe de France qui termine bonne dernière de la Manche, partie confiant lors de la course de 4x4. Fatima, notre capitaine de jour, et Mann ne parviennent pas à doubler les autres concurrents. Après plusieurs sorties de route, ils finissent avant-dernier de la course, la Chine ayant été disqualifiée. La première journée nous a prouvé que tout était possible. Alors, ayant fait l'impasse sur le premier jeu de vachette, elle se mobilise pour dominer l'archipel et remonter au score. Mais c'est sans compter sur les Hongrois et leur gabarit impressionnant qui survolent cette épreuve et réalisent un record dans la piscine, entraînant avec eux les Chinois. Au début du quatrième jeu, la France n'a toujours pas marqué et Leslie Jones, leur coach, va tenter de les remobiliser. Il faut revenir dans la compétition et à tout prix marquer. Ce sera fait avec Dimitri, Fred et Valentin qui marquent le premier point de la journée. Mathilde et Romain, en bon chef pâtissier, ont à leur tour tenté de dominer la séance d'entartage. Mais à ce jeu, l'Algérie domine tout. La France obtient tout de même une médaille d'argent. Dernier jeu de vachette et dernière possibilité pour l'équipe de France de recoller au score. Mais Rosita, la vachette, ne le voyait pas du même œil et a pris un malin plaisir à bousculer Riyad, notre papa poule. Avec 3 points au pied du mur des champions, la France va-t-elle sauvegarder sa place au classement général ?